Salut Kingo, salut Equinos. Je vais pas faire durer le suspense pendant des heures, c'est pas mon genre sur cette chaîne. Voilà, ça fait quelques jours là que j'ai un peu la boule au ventre, que je ressasse des idées noires et c'est pas bien pour mon moral. Et si je veux espérer être de nouveau heureux un jour, il faut que je crève l'abcès. Alors voilà, j'ai pris la lourde décision, après mûre réflexion, de renoncer à mon titre d'égérie feed. Alors je sais, il y en a que ça va choquer, il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui vont me dire « mais non, Babord, accroche-toi ». Sachez que c'est une décision que j'ai prise en conscience, et je pense pas, sauf si on me proposait beaucoup d'argent, revenir sur cette décision. Et je sais que vous étiez très nombreux à me soutenir en tant qu'égérie feed, ça vous plaisait, c'est quelque chose que vous aimiez, et à ce titre, je vous dois des explications quant à ce choix radical. Pour ceux qui auraient éventuellement pas suivi, mais sur mes divers réseaux sociaux, je m'étais pris de passion récemment pour la marque Feed, qui propose des repas en bouteille, et qui à mon sens était ni plus ni moins qu'en train de changer l'humanité. Vraiment pas plus, vraiment pas moins. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé Babord? Comment t'as pu passer de chômeur à égérie et re à chômeur? Je vais tout vous raconter. D'abord, il faut savoir que mon histoire avec Feed, c'est parti d'un coup de foudre. Je le répète souvent, mais je suis chômeur. Et en plus d'être un chômeur, je suis un chômeur fainéant. J'aime pas me faire à manger. Et là, fin 2018, je vois plein de pubs sur Facebook, machin. Le repas prêt en 30 secondes. Il y a juste à mettre de l'eau et à secouer. Là, je me dis, mais putain, mais c'est pour moi. Bien sûr, c'était une révélation. Et en plus d'être rapide, le repas était équilibré en termes d'apport. C'est-à-dire que je mangeais sain et vite. Pour moi, la question ne se posait pas. Il fallait que je devienne égérie de cette marque. Alors je suis allé à mon petit Franprix à côté de chez moi, j'ai acheté quelques bouteilles, et là j'ai flashé quoi, genre, la bouteille tomate provençale, une tuerie. Une tuerie. Bref, j'étais un peu attiré comme un aimant par cette marque. C'était un peu la fille que vous repérez en soirée, que vous trouvez mignonne, mais que vous osez pas accoster, mais en même temps vous rêvez d'elle toutes les nuits. Vous voyez un peu ce genre de relation triste. Et bon, je commençais à réfléchir à ce que je pourrais éventuellement leur proposer, faire avec eux, et là, pas de bol, pas de buzz sur Twitter. Ils publient une pub qui, à la base, n'était pas destinée à Twitter, mais qui était reprise sur Twitter, et là, tout le monde s'est moqué de la pub parce qu'elle était mal jouée, ça sonnait faux, et pour faire comme tout le monde, pour faire partie du groupe, j'ai contribué à cette moquerie collective, j'ai moi-même fait une vidéo parodique. Et j'en suis pas fier maintenant avec le recul. J'ai participé à un lynchage. Avec le recul, je me dis, Twitter s'est comporté avec Feed comme les gens de la Ligue du LOL se comportaient avec les filles. Sauf qu'au lieu de harceler une personne, quand vous harcelez Feed, vous harcelez 50 personnes. Donc c'est 50 fois pire. De l'eau coule sous les ponts, et quelques jours plus tard, re-bad buzz pour Feed sur Twitter. Cette fois, c'est en postant une annonce comme quoi ils cherchent des petits influenceurs qui seraient prêts à faire leur promo gratuitement en échange de produits. Et parmi ces influenceurs, ceux qui auront les meilleures statistiques, il y en a un qui gagnera peut-être 2000 euros. Et ça, sur Twitter, ça passe pas, parce que bosser gratuitement, quand on est une marque qui vient de lever 20 millions d'euros, ah, Twitter, ils aiment pas ça, ils aiment pas. Pourtant, c'est quelque chose qui se fait plutôt beaucoup sur Instagram, d'envoyer des produits en échange d'un ou deux posts, mais Twitter, ils aiment pas ça, et donc, nouveau bad buzz. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de suivre le troupeau comme un énorme mouton, ou alors est-ce que je prends mes couilles, et je me bats, et je fais tout pour gagner ces 2000 euros? Eh ben, je vous le donne en mille, j'ai porté mes couilles et je me suis dit, c'est moi qui vais gagner ces 2000 euros. Alors j'ai alpagué Feed sur Twitter, je les ai un peu harcelés, je leur ai dit Feed, répondez-moi, je veux gagner, je veux faire partie du concours. Là, ils m'ont répondu. Et le lendemain, je reçois un mail où ils me proposent qu'on se rencontre. Bam! Alors je me dis, c'est ma chance, j'y vais. J'étais un peu stressé parce que je m'étais quand même un peu moqué d'eux dans une vidéo la semaine d'avant. Mais pas de soucis, je suis très bien reçu, ils sont très sympas avec moi, ils me disent, non, ça nous a fait rire, c'est cool et tout. On papote, c'est très cordial, vraiment, équipe super, pas de problème. On n'évoque pas spécialement un partenariat, c'était plus un pré-reniflage de cul en vue, après peut-être, d'un partenariat. Je leur fais savoir que je suis potentiellement intéressé, mais c'était pas l'objet de cette première rencontre. Donc voilà, je suis reparti avec mon petit tote bag, avec plein de bar feed, avec plein de bouteilles de feed, vraiment très sympa, j'ai même pu récupérer des feed Thierry Marx qui coûtent normalement 8 balles, enfin bref, refait, j'étais refait.
J'étais tout simplement refait. Là, je rentre chez moi avec des étoiles plein les yeux, des papillons dans le ventre, etc. Et je me dis, ok, c'est bon, je pense qu'après cette étape, je peux révéler au monde ma nature d'égérifide. Donc je l'annonce à tout le monde, je renomme mon compte sur Twitter en égérifide, et je me mets à poster massivement du feed, que ce soit en story, dans ma timeline. Je spam du feed, quoi. Moi, je suis intimement convaincu que c'est une marque avec qui on va marcher main dans la main pour le restant de mes jours. Et le pire, c'est que vous me le rendez bien, vous adorez quand je parle de feed, vous aimez le feed au fond de vous-même. Comme quoi, il suffisait juste de s'adresser avec les bons mots, les bons termes à Twitter, parce que via moi, Twitter aime feed. Avant, vous vous moquiez de feed, grâce à moi, vous aimez feed. C'est ouf! Les stats parlent d'elles-mêmes, regardez, 1500 faves sur juste une photo avec du feed, c'est fou, c'est juste fou. Là, fort de ces statistiques de ma boule et de cet engouement autour de la marque feed, que ce soit sur Instagram ou Twitter, peu importe, c'était partout, je les recontacte et je leur dis, voilà, le peuple m'a un peu adoubé en tant qu'égérie feed, les stats ne mentent pas, ce sont des chiffres, les gens aiment feed, aiment que je sois feed. Maintenant, il manque une chose pour boucler la boucle. Il faut que vous, feed, vous m'adoubiez en tant qu'égérie. Je leur ai dit, écoutez, il y a un coup à jouer. Vous n'êtes pas aimé sur Twitter, je vous fais aimer sur Twitter. C'est magique. C'est une opportunité unique. Ça, je leur dis dans un mail avec mes stats à l'appui. Alors j'ai attendu quelques jours, puis j'ai relancé. Et là, rien du tout. Vent sur vent. Je vais pas vous mentir, je l'ai très très mal vécu. Je m'étais impliqué émotionnellement avec cette marque. Je m'étais impliqué humainement. Je m'étais impliqué en termes de posts sur mes réseaux. J'ai spammé feed, j'ai vécu feed. Et j'ai eu aucun retour. Aucun. Même pas un fave sur Twitter. Et pourtant, je les vois, hein, ils continuent de poster des trucs, ils continuent de répondre à d'autres gens, mais moi, rien du tout. Pourtant, je les taguais. Attention. Franchement, je comprends pas. C'est un peu comme si cette fille, en soirée, j'étais assis sur mon canap, elle venait s'asseoir sur ma bite, elle frottait un peu son cul en faisant Et après, elle me disait, je reviens, je vais juste aux toilettes. Et elle revenait jamais. Je me suis demandé, franchement, ce que j'avais fait de mal. Je suis allé un peu sur Instagram, voir ce qui leur plaisait. Et là, j'ai été déçu. J'ai vu qu'ils cherchaient des critères d'esthétique, de beauté, des sportifs de haut niveau. Je me suis pas reconnu dans ce dans quoi feed se laissait taguer sur Instagram, par exemple. Et je sais pas quoi dire. Je suis désolé, feed. Je suis désolé de pas être bonne, de pas être sensuelle, de pas montrer mon ventre sur des photos. Je suis désolé de pas être un athlète ou de faire semblant d'être heureux sur mes photos. Et encore, pour le côté sport, je vais à Neoness une fois par semaine. Mais ça, vous avez même pas cherché à creuser. Vous avez même pas cherché à le savoir. Moi aussi, je pouvais faire des posts sur des tapis de course. Avec ma barre feed, ça, il n'y avait pas de problème. On aurait pu en parler. Mais vous avez choisi de pas le voir, feed. Je suis peut-être qu'un influenceur modeste, j'ai que 40 000 abonnés sur YouTube, mais vous savez quoi? J'aurais donné ma vie pour vous, feed. Ma vie. Après, j'aurais pas dit non à un petit peu de pognon, quoi, une somme symbolique, 2-3 000 euros par mois, mais en fait, j'en ai même pas besoin de cet argent. C'était juste question de principe pour que vous validiez mon statut d'égérie, en fait. C'est presque de l'argent juridique, juste pour me faire comprendre que vous m'aimiez à ma juste valeur. Je les aurais pris, ces 2-3 000 euros par mois, c'est pas la question. Mais non, feed se prend trop au sérieux, il préfère sponsoriser des bonasses ou des kékés qui font du sport ou des gens qui font semblant d'être heureux sur leurs photos. Moi, j'aurais jamais eu besoin de feindre d'être heureux pour vous, feed, parce que je suis heureux quand je bois du feed. Du moins, j'étais. Après, vous espériez peut-être que je continue de faire gratuitement votre promotion, feed. Sachez que j'ai quand même, malgré la passion que je vouais à votre marque, un minimum d'amour propre. Et je vais vous dire, moi, quand je me mac avec une marque, c'est pour la vie, c'est for life. Donc si vous avez pas su saisir l'opportunité, c'est trop tard, faudra pas venir chouiner dans 10 ans en mode « Oui mais Babor, on est désolé, maintenant on veut de toi comme égérie. » J'ai fait connaître FY Games à la France entière. J'ai fait exploser la marque Pulco en organisant bénévolement l'année dernière le Pulco XU. Ça aurait pu être votre tour, feed, mais là juste, je suis fatigué. Je suis fatigué de faire tous ces efforts gratuitement. Et là, vous allez me dire, oui, mais on t'a rien demandé, Babor, tu t'es improvisé égérie feed, t'avais même pas signé de contrat. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça n'a rien à voir, je vous parle de passion. Aujourd'hui, je cherche donc une marque qui saura exploiter mon plein potentiel, avec qui on pourra faire du win-win, du win-win. C'est une marque qui se dit, ce mec, il est énorme. Ce mec, je vais lui donner la somme symbolique de 3-4 000 euros par mois minimum, et en échange, ça va faire du buzz. C'est ça que je cherche aujourd'hui. C'est pas à être humilié comme j'ai été humilié avec feed. Donc voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Feed, c'est fini. Vous m'avez trop traîné dans la boue. Au jour d'aujourd'hui, le postulat est le suivant. Je vous déteste. Je vous défendrai plus quand il y a des gens sur Twitter qui vous disent « Eh, c'est dégueulasse, en plus ça fait des grumeaux. » Ça, comptez plus sur moi.
désolé. D'ailleurs, j'ai dit désolé juste avant, mais en vrai, je suis pas désolé. C'est comme ça. Donc les Kingos et les Quinos, surtout, n'achetez plus de Feed. J'ai pas encore goûté, mais je vous recommande d'ores et déjà Vitaline, qui est l'alternative à Feed et qui fait beaucoup moins parler, mais il paraît que c'est très bien. D'ailleurs, Vitaline, je le glisse discretos comme ça, mais si vous cherchez une égérie, je suis disponible. Si vous voulez continuer à acheter du Feed, il n'y a pas de problème, je respecte, mais juste je vous demanderai de vous désabonner de ma chaîne parce que voilà, à un moment il faut me respecter si vous voulez continuer à regarder mon contenu. Voilà, sur ce je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine pour une vidéo qui j'espère sera plus feel good. Parce que ça reste le mojo de cette chaîne, c'est le feel good, j'y tiens, c'est important.